Bon, c'est pas grave, je fais tout. Tu verras, tu vas comprendre. Il a fait appel à moi pour faire la musique, donc bon, je me reconnaissais bien dans ce parcours musical qui était scellé à sa demande, quoi. Cette rencontre entre ce garçon français, qui moi je suis français, donc je me sentais un petit peu, je m'identifiais un petit peu au personnage, quoi. Donc bon, moi j'ai travaillé avec Loris, qui est mon fils, et qui chante et qui joue de la guitare aussi. Déjà j'aime bien qu'il y ait un CD avec, je trouve ça bien parce que c'est pas rare, mais c'est pas tout le temps qu'il y a des livres où en même temps ça fait de la musique, et moi je trouve ça bien. Depuis que je suis tout petit, j'ai commencé à faire la rythmique, mais les accords, ça doit faire un an ou deux. Au départ, le projet, c'était un projet que je suis venu présenter à Françoise un matin, je ne sais plus quel matin, mais c'était l'idée un peu folle de mêler la musique et les images. La force peut-être de Benjamin et de ce projet, c'est d'avoir fédéré des gens d'horizons très différents et qui tout le monde a dit oui banco, quel que soit son niveau, sa notoriété ou pas, avec le même enthousiasme et la même passion. Et là, on est en cours de réalisation, mais je suis sûre que le résultat va être assez extraordinaire. C'est un livre sur l'éveil musical d'un enfant et c'est un livre sur comment il va découvrir le son, l'appréhender et se découvrir à lui-même. Navigo entre las nubes, nadando entre los peces, buscándote en las calles, te he elegido entre mis amores. Essaye de faire tu pelo son de oro. Faut la mettre, ma voix. Yo la sueño mi cama. Non, c'est pas bon. Yo la sueño en mi cama. Tu fuero son de oro, oro, oro. Tu pelo son de oro. Tu pelo son de oro. Oro, oro. Tu pelo son de oro. Tu pelo son de oro. Tu pelo son de oro. Oro, oro. Así.